Avec Nicolas Poincaré, le portrait du jour, c'est celui d'Elnaz Rekabi, une championne d'escalade iranienne qui a concouru sans voile. Oui, elle a participé dimanche au championnat d'Asie à Séoul, en Corée du Sud, et elle a terminé quatrième. Les images ont fait le tour du monde parce que la championne de 33 ans a grimpé sans son hijab et avec, au contraire, une longue queue de cheval bien visible, un geste fort, naturellement, alors que l'Iran vit depuis plusieurs semaines une révolte des femmes contre le port obligatoire du voile islamique. Le lendemain, pour elle, les ennuis ont commencé. Sa famille a fait savoir qu'elle était sans nouvelles. La BBC en persan a annoncé que son passeport et son téléphone lui avaient été confisqués et qu'elle avait été mise dans dans un avion plutôt que prévu. Un site d'information d'opposition, Iran Wire, a ensuite annoncé qu'elle avait été emprisonnée à Téhéran, que son frère, lui-même champion d'escalade, avait aussi été arrêté, et que si elle n'avait pas tenté de demander l'asile politique en Corée, eh bien, c'est parce que son mari était resté en Iran. L'affaire depuis, depuis lundi a eu un, un retentissement mondial et en particulier sur les réseaux sociaux avec le hashtag « Où est Elnaz ?» Et justement, c'est finalement sur les réseaux sociaux qu'elle est réapparue hier. Oui, dans un message sur Instagram, elle indique qu'elle est en train actuellement de rentrer en Iran avec toute l'équipe et elle affirme surtout que ce n'est pas intentionnellement qu'elle a couru tête nue. Ce serait dû à un mauvais timing. La compétition aurait été avancée. Elle n'aurait pas eu le temps de mettre son voile circuler. Il n'y a rien à voir. Une version qui est absolument impossible à croire. Aucune femme iranienne, aucune athlète iranienne n'a jamais oublié de mettre son voile, surtout pas elle, elle qui avait expliqué dans une interview il y a deux ans que le port de voile était un problème qui la gênait dans ses mouvements. Elle avait aussi publiquement regretté de ne pas avoir le droit de, de s'entraîner avec les hommes. Le plus vraisemblable, donc, c'est que ce curieux message d'excuse lui a été dicté dans l'avion du, du retour. Elle est censée arriver ce matin à Téhéran. On va voir si elle va réapparaître. Ouais,